colonisateur, je suis de la diaspora, ça va marcher, mais je vous donne juste les pistes, ok? Donc, du coup, la raison numéro 5 que je pense que tu devrais visiter à Brazzaville, c'est le tourisme. Alors, je sais que souvent, c'est pas trop reconnu pour être un pays très touristique, mais non, vous pouvez passer, il n'y a pas de problème. Souvent, on ne fait pas assez la promotion, malheureusement. Les Congolais de Brazza, on ne fait pas assez la promotion de notre pays. Mais comme on dit que le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous avez déjà visité Brazzaville? Est-ce que vous avez vraiment exploré le Congo-Brazzaville? Est-ce que vous connaissez à quoi ressemble le Congo-Brazzaville? Parce que, de fois, j'ai l'impression que c'est très facile de mettre des étiquettes ou bien des noms sur certaines choses parce que on les connaît. Mais est-ce que quand on nomme des choses, par exemple le pays le plus sécure, le pays le plus dangereux, est-ce qu'on a visité déjà tous ces pays? Moi, j'ai envie de te dire que Brazzaville, Pointe-Noire et tout le reste de mon beau pays, il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Il y a plusieurs choses que j'aimerais bien vous faire voir. Malheureusement, en termes, par rapport au budget, par rapport au temps aussi, je ne pourrais pas. Mais je vais prendre quelques vidéos de d'autres vidéastes pour vous montrer qu'est-ce que tu peux voir ici. Et ici, tu as tout. Tu as ce côté, tu as la plage, donc à Pointe-Noire. Il n'y a pas que Pointe-Noire, mais il y a beaucoup d'autres plages aussi. Tu as aussi ici à Brazzaville, tu as le fleuve. T'as une très belle vue vers le Foulakari, les chutes d'eau de le Foulakari. Au fait, les chutes de le Foulakari, ça me rappelle beaucoup la ville où il y a les chutes d'eau au Cameroun. Je ne me rappelle pas où c'est, mais on a la même chose ici. On a aussi d'autres chutes d'eau, quelque part vers le nord du pays. On a aussi tout ce côté jaune, tout ce côté très bamileke, tout ce côté bosseur. Chez nous, c'est Dolizi, Nkayi. T'as toutes ces régions où vraiment... C'est le cœur du Congo, en fait. C'est dans ces régions-là que tout ce qui est agriculture, tout ce qui est élevage, en fait, c'est ces régions-là qui nourrissent tout le pays. Un peu comme quand j'étais à l'est du pays, que ce soit Banjoun, toute la région, en tout cas, des Bamileke, au fait, on a la même chose ici. Je sais que les Camerounais, ils vont pas être contents, mais sachez que le Congo regorge de tellement de ressources qui ne sont pas assez mises en avant. Parce que beaucoup de personnes se limitent sur peut-être le centre-ville de Brazzaville, des petits coins, l'hôtel Radisson et tout. Mais c'est tellement une erreur. Regardez-moi, je suis dans des vrais quartiers. C'est ici que vivent des vrais gens. Si tu veux recueillir des vrais échanges de personnes, il faut venir dans les quartiers. Donc arrêtez un peu d'avoir peur des quartiers. Ouais, méchant, ça fait peur. Je comprends, mais si vous voulez vraiment juger un pays et dire que dans tel pays, il n'y a pas ça, tel pays est meilleur, venez dans les quartiers, demandez aux locaux, ok? Donc, encore une fois, j'ai fait quelques images de comment est beau, de vous montrer la beauté de ce pays, mais je prendrai aussi quelques images en ligne pour que vous voyez, ce pays est juste magnifique. Qu'est-ce qu'on n'a pas? La belle ville, le côté un peu pimpant, les nightclubs et tout le tralala, tout ce que vous voulez voir de l'Occident, ici, il y en a. Et pareil, si tu es un peu plus trekking, en mode forêt, en mode... je vais découvrir la forêt du Mayombe. On a une grosse végétation ici, tellement diverse. Elle est... Je ne sais même pas comment la décrire. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose de nouveau sur mon pays, sur ma ville. Et n'oubliez pas, si vous visitez Brazzaville, regardez ces vidéos parce que je vais faire une tonne de séries. Donc, les prochaines vidéos que je vais faire, je vais vous montrer différents appartements, les prix et différents quartiers, si j'arrive. Je vais aussi vous montrer l'alimentation, tout ce qui est marché, combien coûtent les choses. Et donc là, je ferai un challenge où je vais vous montrer qu'est-ce que tu peux acheter avec 5 euros, qu'est-ce que tu peux acheter avec 10 euros à Brazzaville. Et aussi, on va essayer de faire le tour des transports publics, parce que je sais que c'est la chose la plus confuse quand on arrive dans un pays, de se dire que qu'est-ce que je fais? L'avantage ici, c'est qu'il y a Yongo. Et Yongo, franchement, avec les prix locaux, sans l'application, il n'y a pas de grosse différence. Yongo est toujours un peu plus favorable. Il y a toujours un petit 100 francs, 200 de moins quand tu utilises Yongo. Mais
Il y a aussi plusieurs d'autres moyens. Donc, on fera une vidéo sur les transports publics pour que vous voyez un peu le confort. Ici, ils aiment trop le confort. Ils sont trop bien, là. La climatisation, c'est de partout. La vidéo numéro 5, je vous montrerai aussi, comme ce que j'ai dit, dans le marché, hein, il n'y a pas que la bouffe, mais il y a aussi tout ce que tu peux acheter, par exemple, les vêtements, les fournitures de la maison, les trucs électroménagers qui coûtent un peu cher parce que c'est normal, tout est importé. Les électroménagers, par exemple, les frigos et tout le reste, le tralala, c'est hyper cher. Mais tout ce qui va être fauteuil, lit, tout ce qui est fait sur place, les meubles, c'est pas trop cher. Donc, si tu veux meubler ton appartement, mais encore une fois, si tu veux t'habiller comme en Europe avec les marques de là-bas, même ça aussi, c'est assez cher, c'est assez moins cher. Par exemple, je suis allé dans leur méga grand, vous pouvez retrouver ça dans ma vidéo. Je suis allé ici dans le méga super mall ici. Et les choses étaient même moins chères que la France. Alors que c'est des originaux, hein. C'est des Adidas, des Nike et toutes les marques que vous connaissez. Et c'était quand même dans les 20 et quelques euros en promotion. Voilà. Donc, vous avez vraiment ici de tout. Donc, on se retrouve sur une autre vidéo. Abonnez-vous parce que je vais m'éclater à faire des belles vidéos dans ma ville. Et on se dit à bientôt. Ciao.